Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Je vais vous montrer tout simplement comment récupérer votre revêtement gratuit Brume Arc-en-Ciel avec House Party X Fortnite. Donc c'est tout simplement le nouveau partenariat. Et en deuxième partie, je vous montrerai rapidement le nouveau pack Électron Libre qui est disponible sur Fortnite Sauver le Monde. Le skin est également disponible pour le mode Battle Royale. On commence tout de suite avec la première partie de la vidéo sur comment débloquer le revêtement gratuit Brume Arc-en-Ciel sur Fortnite avec le nouveau partenariat House Party X Fortnite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, House Party est une application qui vous permet de faire des appels vidéo et vocaux. Voilà, tout simplement, le partenariat va permettre de le faire également sur Fortnite. Donc en gros, ça va faire que votre jeu va être à droite et l'appel vocal avec la tête de vos amis sera tout simplement à gauche. Donc je vous mets une image à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Je vous mets également à l'écran un message de Fortnite qui nous dit: l'appel vidéo de House Party sera disponible pour les joueurs PC, PS5 et PS4 uniquement pour le moment. Les joueurs auront besoin d'un téléphone iOS ou Android, donc vous aurez besoin tout simplement de votre téléphone. Donc en gros, vous lancerez l'application avec votre téléphone, puis ensuite Fortnite, et ça vous permettra tout simplement de chatter avec votre visage à l'écran et ceux de vos potes tout simplement. Une fois l'application installée, associez votre compte House Party à votre compte Epic Game pour commencer. Si vous associez votre compte Epic Game et House Party, vous pourrez déverrouiller le revêtement Brume Arc-en-Ciel en bonus. Donc là, comme vous l'avez vu, ils nous disent associer notre compte Epic Games et House Party ensemble pour déverrouiller le revêtement Brume Arc-en-Ciel en bonus. Mais je vous mets un screen à l'écran parce que du coup j'ai déjà installé l'application pour tout simplement recevoir mon revêtement. Sauf qu'ils nous mettent un message à l'écran qui nous dit que le mode Fortnite arrive bientôt, donc il n'est pas encore disponible. Donc sachez que vous ne pouvez pas encore lier votre compte Fortnite, donc Epic Games et House Party ensemble. Mais du coup Fortnite a fait un deuxième communiqué pour qu'on puisse récupérer le revêtement Brume Arc-en-Ciel que je vous mets à l'écran. Donc remarque, nous savons que l'appel vidéo de House Party n'est pas disponible sur toutes les plateformes, alors nous vous proposons un autre moyen d'obtenir le revêtement Brume Arc-en-Ciel. Si vous jouez à 5 parties de Fortnite avec des amis entre le 20 novembre à 6h et le 27 novembre du coup de 6h aussi, vous recevrez le revêtement d'ici le 4 décembre. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter du 19 au 27, faire 5 games avec des amis à vous que vous avez bien dans votre liste d'amis, et le 4 décembre 2020, vous recevrez directement le revêtement en jeu et vous pourrez tout de suite l'équiper et jouer avec. Pour la deuxième et dernière partie de la vidéo, on va parler d'un nouveau pack disponible sur Sauver le Monde, mais sachez que le skin qui est avec sera également disponible pour le mode Battle Royale. Donc si vous voulez l'acheter, rendez-vous sur Sauver le Monde. Ensuite, vous allez tout simplement dans la boutique Sauver le Monde juste ici, et on voit que le pack est au prix de 16 €, donc il n'est pas affiché dans le mode Battle Royale, mais uniquement sur Sauver le Monde. Comme je vous ai dit, si vous le voulez, rendez-vous sur Sauver le Monde. Donc ce pack vous donne l'accès au mode de jeu Sauver le Monde. Ça vous donne le héros électron libre, donc en skin pour le Battle Royale et en héros pour le mode tout simplement Sauver le Monde. Ça vous donne le schéma d'armes fusil disjoncteur, donc c'est celui-ci, et la tenue électron libre pour le mode Battle Royale et le mode créatif. L'accessoire de dos module survolté qui est juste ici, disponible pour le mode Battle Royale et le mode créatif également. Les défis électron libre, gagnez jusqu'à 1000 V-Bucks et 1000 tickets à rayon X en accomplissant des quêtes quotidiennes de Sauver le Monde. Donc là, pour récupérer vos 1000 V-Bucks, une fois que vous avez acheté le pack, pour ceux qui se le demandent, vous allez tout simplement dans vos quêtes, vous allez dans de nouveau dans quêtes, et là on peut voir quêtes quotidiennes. Donc en gros, en réalisant un certain nombre de quêtes quotidiennes, ça va vous donner vos 1000 V-Bucks au fur et à mesure. Donc il faudra en accomplir plusieurs pour débloquer vos V-Bucks. Sachez que les quêtes ne vous donneront pas de V-Bucks, vous aurez uniquement les V-Bucks du pack. Parce que je vois très souvent dans les commentaires des personnes qui me demandent: est-ce que si j'achète le pack actuel de ce monde, est-ce que j'aurai des V-Bucks en mission? Est-ce que mes quêtes quotidiennes donneront des V-Bucks? Je vous réponds directement, ça ne vous en donnera pas. Les seuls V-Bucks que vous aurez, c'est les V-Bucks du pack, donc les 1000 V-Bucks, et ensuite vous n'aurez plus rien. Pour ensuite le skin et l'arme, pour ceux qui veulent savoir à quoi elle ressemble, je vais vous montrer directement ça dans la collection. On peut voir ici pack de démarrage électron libre. Et juste ici, on peut prévisualiser l'objet. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le skin. Donc il n'est pas dégueu, il y a des petits tuyaux, etc. Je vous avoue que c'est pas mon préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, les gars, si vous le trouvez bien ou pas. Pour ma part, ça va, je trouve que ça va. J'aime, je suis pas trop fan juste ici des petits câbles. Mais en soi, le skin est très propre, surtout pour le prix. Je vous rappelle qu'on a un skin pour 15 € plus 1000 V-Bucks. Donc franchement, ça vaut vachement le coup si vous êtes intéressé. Et l'arme, bien évidemment, pour ceux qui veulent l'avoir, elle est juste ici. Voilà, elle ressemble à peu près à ça, donc c'est tout simplement un fusil d'assaut que vous ne pourrez utiliser que pour sauver le monde. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.